ça va gâter le marché. C'est que tu ne peux pas, c'est-à-dire, consommer là. Il ne faut pas envoyer parce que c'est... Toi-même, en allant le conseil, c'est que tu ne peux pas consommer. C'est pas la peine de faire. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, le contrôle sera strict. Voilà, regardez cette qualité-là. Regardez cette qualité. Même si on dit que c'est manque, mais quand même, c'est pas normal. Qu'est-ce n'est pas bon? D'abord, elle n'est pas en maturité. Mais une amélie doit être comme ça. Elle n'est pas en maturité et puis bon. Elle est comme ça. C'est la même chose. À Cinéma Tiali, le commerce de la mangue a ses codes immuables. Brahima est commerçant de mangue. Ses règles, il les applique à la lettre pour conserver la confiance de ses clients. Vous voyez cette mangue-là, à l'usine, là, ils ne vont pas vous la prendre. Voilà, parce qu'elle est mal formée, ils vont dire qu'elle est mal formée. Voilà. Or, la mangue, malgré qu'elle est mal formée, elle peut être bien consommée sans problème. Voilà, donc, maintenant, vous voyez celle-là, ça c'est une tâche naturelle. La tâche naturelle et chez eux, ça passe pas. Voilà. Or chez nous, c'est pas un problème. Voilà, c'est pas un problème. Donc c'est ce qu'on appelle le déchet. Alors, quand vous dites le déchet, ceux qui ne vont pas comprendre, ils vont penser que la mangue même qu'on ne doit pas consommer, c'est ce que nous payons. C'est pas ça. Les déchets sont les mangues qui ne respectent pas les normes d'exportation en Europe. Elles sont destinées au marché local et sous-régional. Et ce sont justement ces mangues que Brahima commercialise. Nous achetons la mangue. Nos parents qui sont dans les villages, dans les campements, ils nous amènent les mangues ici et nous pesons. Et il y en a qui va au Burkina, il y en a qui va au Mali, il y en a qui va à Abidjan. Brahima achète la caisse de 25 kg à 2000 francs CFA, soit 80 francs le kilo. C'est le prix des déchets. Loin du prix bord usine qui est fixé à 200 francs CFA le kilo pour la campagne 2021. Ce planteur se frotte les mains depuis le début de la saison. Il en est à sa quatrième vente et ce matin, c'est plus d'une tonne de mangue qu'il veut écouler. Il pèse 25 kg par caisse. Or, on a eu 42 caisses. Donc, on va évaluer 42 par 25, ce que ça va donner, ce qui est mon poids. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Avec les 42 caisses, l'homme va empocher la somme de 84 000 francs CFA en attendant la prochaine récolte. La mangue, l'un des produits phares du Grand Nord, fait vivre des milliers de personnes dans la région. Baramoko est acheteur de mangue. Son quotidien est rythmé par des allers et retours incessants dans les plantations, en quête des meilleurs fruits lors des récoltes. Tega, ça va? J'espère les mangues que vous coupez là sont en bonne maturité. Bon, on va contrôler pour voir, parce que ces mangues-là, ça va en avion. La maturité est beaucoup, beaucoup exigée en avion. Donc, on va contrôler quelques-unes. Ça, du tout de blisse, Tega va... Tu risques de te faire attraper à l'usine parce que si on contrôle le taux de brise, ça va pas aller. Tu vois? Ça, c'est le taux de brise tourne autour de 5, 6. Bon, c'est pas bon. Ouais. L'une des normes de contrôle, le taux de glycémie. La quantité de sucre ne doit pas excéder les 7%. On contrôle, il y a un appareil qu'on contrôle le taux de sucre. Ça y est, on prend la pulpe d'un mangue et on appuie, ça tombe dans le truc, dans l'appareil et le taux de sucre sort. Souvent c'est 6, là c'est 6,80, la limite c'est 6,80. À 7 c'est bon, mais quand ça descend au niveau de 5, c'est que c'est pas fait pour l'avion. C'est pas fait pour l'avion, parce que le bateau, ça c'est la maturité, on dit la maturité bateau. Bon, le bateau prend du temps avant d'arriver. Donc si tu prends une mangue en point de maturité, d'ici ça va arriver, ça va mûrir. Alors, pourtant l'avion descend, même 24 heures l'avion a déjà atterri. Cette variété de mangue, appelée la Kent, est la plus convoitée des pays européens. En Côte d'Ivoire, elle est la plus cultivée. On nous dit que la mangue Kent a été greffée sur une fleur, une nappe. Donc c'est la coloration de cette fleur-là qui sort dans le fruit.
Et ça, c'est pas bon. Hein? C'est très bon. C'est bon, c'est joli à voir. Quelle mûrie, elle est très, 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 très jolie à voir. Et elle est beaucoup appréciée en chose par les Européens. Sa cueillette doit se faire avec finesse, car une mangue marquée peut être considérée comme un déchet. Attention, hein, ne pas laisser tomber. Hein? Il y a assez de mangue à terre, là, c'est pas bon. Quand c'est comme ça, le producteur perd. Et on va avoir des histoires avec lui. Hein? C'est pas bon. En 2019, la Côte d'Ivoire a produit 180 000 tonnes de mangue, dont 32 000 exportées vers les pays d'Europe. Le pays compte plus de 7 000 planteurs, dont la grande majorité se trouve au nord. Nous sommes à Korogo. Dans cette usine de conditionnement et d'exportation, les agents sont à pied d'œuvre. Ici, le travail se fait à la chaîne. D'abord, la première étape, c'est de tremper les mangues dans l'eau. Parce qu'on fait un lavage de façon normale. On n'applique pas de produit. Voilà. Et après l'étape de trempage, ça passe sur la chaîne, les brosseuses. Voilà. Les fruits sont brossés, lustrés, soufflés, pour que ça sorte bien sec, afin que les femmes de la table de tri puissent détecter toutes sortes de problèmes. Ces mangues sont destinées à l'export. Elles ont été commandées par des partenaires européens de l'usine. Et pour des questions de traçabilité, chaque carton est étiqueté en fonction de sa provenance. C'est ici on met le calibre, la variété, l'origine, le calibre. Maintenant, ça c'est à la demande du client. C'est un code barre. Voilà, il est fait à travers une de la machine. Et donc, après cette étape-là, on met le code de traçabilité qu'on doit mettre ici. En moyenne, l'usine reçoit une trentaine de commandes par mois. Des commandes qui sont conditionnées dans cette chambre froide avant l'embarquement. Ici, c'est la chambre froide, c'est pratiquement la dernière étape. Quand nous, on finit de faire le conditionnement, les fruits sont empotés à 8 degrés. Donc, on les fait entrer en chambre pour pouvoir faire descendre la température à 9-8 degrés avant l'empotage. Voilà. Et c'est dans cet espace-là, elles sont stockées pendant minimum 6 à 8 heures du temps. La conservation reste le défi majeur pour les exportateurs. Il y a un phénomène qui fatigue tous les acteurs de la mangue. Il s'agit de la piqûre de mouche. Voilà. Nous, on peut faire le contrôle, on peut faire tout, mais à l'arrivée, souvent, il arrive qu'il y a des fruits qui sont piqués. Et les fruits piqués ne peuvent pas être consommés. Donc, un conteneur intercepté, c'est plus de 30 millions de pertes pour l'opérateur qui a fait l'opération. En 2020, le taux d'exportation au plan national était estimé à 26 000 tonnes contre 32 000 en 2019, soit une baisse de 6 000 tonnes, notamment en raison de la pandémie. Mais chaque année, près de 40% de la production est perdue à cause des difficultés d'écoulement liées à l'étroitesse du marché intérieur et les maladies des fruits. Comme d'autres filières, la mangue doit elle aussi faire face au défi de la transformation locale. En plein cœur de la ville est installée une société spécialisée dans la transformation de la mangue séchée. C'est Ismaël qui en est le chef de production. Là, ici, vous avez la première étape, après le lavage de la mangue. Ici, les femmes, elles épluchent, comme vous voyez, le mangue au couteau. Elles ne sont pas encore habituées aux épluchures, avec le temps. Donc, ici, c'est la quête qu'on travaille actuellement. Après l'épluchage et le tranchage, les morceaux de mangue sont trempés dans du soufre, une solution pour assurer une plus longue conservation. La mangue fraîche, la pulpe, on va la tremper dans cette solution pendant 2 minutes. Avant de mettre dans ce clair là, souvent ensuite, on va souhaiter le séchage. C'est dans ce four que la mangue est séchée, à une température qui varie entre 50 et 60 degrés Celsius. Le temps du séchage, lui, est compris entre 18 et 24 heures. Après ce délai, les morceaux de mangue séchée sont conditionnés dans cette salle. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien. Et la mangue, elle est bien séchée? Oui, oui, ça va. Ça va un peu plus vite? Mm-hmm. D'accord. Ici, c'est l'étape du calibrage. Chaque morceau de mangue sorti du four est soigneusement calibré avant d'être mis dans des sachets. Là, ici, après le calibrage, en fonction de la taille, elles vont séparer en fonction de la couleur. Vous avez ici la couleur, coloration jaune, et puis la coloration jaune-orangé. Voilà. On ne peut pas vendre un sachet avec plusieurs colorations de mangue à l'intérieur. Donc, il faut pouvoir trier les différentes couleurs. Ça part du jaune à... Oui, c'est plus attractif. Parce que le client, lui, c'est le visage, c'est la couleur qui regarde pour l'achète la mangue. En moyenne, l'entreprise transforme 3 tonnes de mangue fraîche par jour. C'est bien peu, car la demande est 3 fois plus forte. On n'arrive pas à satisfaire la demande, parce que la demande, elle est vraiment forte. Mais nous, notre offre est vraiment limitée. Donc, on a une seule machine. Elle a seule machine, là, c'est vraiment difficile. Sur le marché, la mangue séchée est vendue à 3500 francs CFA le kilo. Une véritable mine d'or que les acteurs peuvent exploiter pour accroître leurs revenus. La mangue. Fer de lance de la diversification fruitière de la Côte d'Ivoire est le deuxième fruit d'exportation après la banane. Le pays occupe même la troisième place mondiale après le Brésil et le Pérou. La Côte d'Ivoire veut embrasser un peu plus une démarche de transformation de ses matières premières. En avril 2021, une usine d'une capacité de traitement de 7700 tonnes de bananes, de noix de coco, de mangue, de papaye et d'ananas pour produire 800 tonnes de fruits séchés de première qualité a été inaugurée dans le pays.